C'est pas vous, vous êtes nos frères, c'est Alpha qui vous donne des instructions illégales et irrégulières comme ça pour couper les citoyens de leurs droits. Soyez des républicains, vous êtes des citoyens. C'est Alpha Condé qui vous instruit de détruire nos vies, de brider nos libertés. C'est un dictateur, il faut le chasser ici parce que c'est inacceptable. 97 de vos compatriotes sont tombés sous les balles. Soyez républicains, arrêtez de nous massacrer, arrêtez de nous priver. Nous êtes nos frères, vous êtes nos frères. Nous sommes tous des Guinéens. Comment vous pouvez comporter comme ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La Constitution qui donne le droit aux citoyens de marcher. Il y a 7 heures à la station, je l'ai vu de venir. Non, je ne sais pas, c'est juste ce que je veux. Écoutez, nous aimerions bien que votre commandant comprenne qu'on doit exercer nos libertés. Vous êtes recruté. Vous êtes recruté. Vous êtes recruté, habillé, formé, équipé pour défendre la sécurité, pour assurer la sécurité des citoyens. Et non pour être une source d'insécurité pour les citoyens. Il faut arrêter ça d'obéir aux ordres illégaux. Nous, on peut justifier d'avoir obéi à un ordre illégal. Les ordres qu'Alpha Condé vous donne, c'est des ordres illégaux, contraires à la Constitution et aux lois de la République. C'est une honte pour ce pays. Le commandant là, celui qui le commande, celui qui est derrière là. Venez. Mon commandant, s'il vous plaît. Mon commandant, approchez s'il vous plaît. Écoutez, je suis en contact avec le force de l'ordre qui ont barricadé le quartier. Il peut laisser là, ma fille, c'est là-bas.
Vous n'avez pas le droit de nous priver de nos libertés. Je suis député de la République. Vous ne pouvez pas venir m'empêcher. Je vous dis, attendez. Je vais vous dire, les gens que vous voyez, ceux que vous avez abattus sont vos frères. Arrêtez le massacre. Vous êtes des Guinéens comme nous. Okay. Alors, ce pays... Attendez, fermez là. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Arrêtez d'exécuter des ordres illégaux et contraires à la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Alpha Condé vous donne des ordres illégaux. Vous devez être républicain. Nous, il n'est obligé d'obéir à un ordre illégal. Et d'exécuter, pardon, un ordre illégal. Ce n'est pas juste. Qu'on prive les Guinéens de leur liberté de mouvement, de leur liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel consacré par la notre loi fondamentale. On a tout tué, c'est inutile. Soyez républicains, c'est vos frères. Demain, on va se réconcilier. Demain, on va se retrouver, dire qui a fait quoi, pour tourner la page, pour que les Guinéens vivent en frères. Mais si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple de Guinée. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez que être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. Nul n'est obligé d'exécuter un ordre illégal. C'est vos frères qui sont derrière. C'est vos frères qui sont morts, qui sont au cimetière de Bambeto. Demain, il y aura une Guinée réconciliée, où va prévaloir la fraternité entre tous les fils et la loi respectée par. Et nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution et les lois. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan. Ils ont fini de brader les ressources du pays au profit exclusif du clan, alors que vos compatriotes n'arrivent pas à assurer deux repas par jour. Ils sont devenus si riches, vous ne pouvez pas imaginer les milliards et les milliards de dollars qu'ils accumulent juste pour le clan. C'est même pas le RPG, c'est un clan autour de lui. Certains étaient avec Conté, d'autres sont venus de l'étranger. Ils sont en train de se repartir le patrimoine national. Nous avons décidé de lutter contre ça. Il faut nous laisser exercer nos droits constitutionnels de manifester et ne plus tuer, faire usage de vos armes à feu contre vos compatriotes. Mais c'est ça qu'il faut demain. C'est à cette Guinée-là que nous nous revons. Et une fois qu'on sera là, vous serez reconverti. Vous serez mieux formé pour défendre le peuple, pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, vous exécutez des ordres illégaux. Ce n'est pas bon. La Guinée doit être une famille où chaque fils a son droit, a ses droits respectés. Oui. Oui. Voilà, vous écoutez à l'article 10 de la Constitution. Voilà. C'est pas juste. On a déjà un cadavre à la mort. Moi, vous pouvez tirer, c'est rien. J'ai donné ma vie à la Guinée pour qu'il y ait une démocratie apaisée, pour qu'il y ait un état de droit, pour que les Guinéens soient rassemblés, réconciliés et que le pays avance vers l'émergence. Parce que c'est possible. Les potentialités énormes que la nature a doté la Guinée sont suffisantes pour qu'aucun Guinéen ne dorme sans dîner, pour qu'aucun Guinéen ne puisse s'offrir l'éducation, la santé, logement décent et un emploi. Voilà le défi. Ce n'est pas la réprimer des manifestants. Le défi, c'est comment assurer au moins deux repas par jour à tous les Guinéens. Aujourd'hui, 56% de la population vit avec moins d'un dollar par jour. C'est inacceptable. Lorsque vous savez à quel point ils accumulent l'argent public, pour leur enrichissement personnel,
alors que notre peuple continue de souffrir de la pauvreté la plus noire. Et vous, vous êtes là, on vous prend, on dit tirer sur ces loups, on tire, on dit emprisonner, arrêter, tuer 97 personnes depuis qu'Alpha Condé est là. C'est trop, c'est des Guinéens. Ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes là? Il y a combien de jeunes arrêtés? Je sais pas. C'est qui ça? Attendez, nous venons de sortir des élections qui ont été truquées. Mais regardez les résultats. L'FDG, dont le leader qu'on dit qu'il est isolé. Je suis en termes de parti premier à Mania, premier à Dubrika, premier à Ratoma, premier à Dixit, premier à Madame, premier à Matoto, premier à Kindia, premier à Boké, premier à Kamsar. Comment vous pouvez dire que ce parti et son leader sont isolés? L'isolement, ce n'est pas l'élite qui fait le leader. C'est la part, c'est la population. Vis-à-vis de laquelle, au sein de laquelle je suis total. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malgré la fraude massive qui a entaché ces élections, dans Conakry, l'UFDG a eu 76 conseillers dans les urnes contre 49 à Alpha Condé. Vous pouvez dire que je suis l'UFDG. L'isolement, c'est par rapport à la population. La population souffre. La population souffre de la violence. La société souffre de la misère. Et elle sait que c'est moi qui incarne le vrai changement. Je suis en train de combattre, de dénoncer et de combattre la malgouvernance, la corruption, le détournement des deniers publics. Parce que beaucoup de Guinéens, 56% d'entre eux, vivent avec moins de $1 par jour. Et ils savent que le clan de M. Alpha s'accapare de ressources, aliène le patrimoine. Et ils le savent. Et qui dénonce ça pour eux? Qui est en train de défendre leurs intérêts par sa petite voix? C'est l'opposition républicaine. Donc il n'y a pas d'isolement. Maintenant, l'opposition, comme je l'ai dit, est difficile lorsqu'on veut aller à la soupe. On dira que c'est l'opposition, c'est l'Ougalais qui n'a pas fait. On n'est fatigué par ça parce que c'est dur. C'est dur et Alpha Condé a le droit de rompre les postes, les ministères d'État, d'argent, et que nous n'avons pas. Donc il arrive au moment qu'on ne retient pas de l'argent, qui veut aller à la soupe. Et pour garantir. Ils vont essayer de l'aider pour isoler davantage le feu. Naturellement, si tu frappes à la porte, il attaque ses mots. 3 ou 4 fois avant de frapper à la porte pour que ta démarche soit bien. Non, on va pas faire ça.
table là. Tu peux me tenir ça 2 minutes? Il me faut ma question assez lourde. Mais j'avais pas vu la question. Ah. Attendez qu'on soit prêt. Voilà. Non, descendez les dictaphones et les micros. Voilà, avant les cassons. Attends. Ouais, vas-y. On peut? Elle n'est pas limitée, votre stratégie. C'est-à-dire que vous faites des manifestations. Elles sont interdites. Elles sont empêchées. Et quoi après? C'est quoi le résultat espéré comme ça? Écoutez, le résultat espéré, c'est d'abord d'exprimer notre album. C'est le plan de manifestation. Nous manifestons. C'est pas cher. Nous attirons l'attention de la communauté nationale. S'il te plaît. Non, c'est pas possible. C'est pas ça. Écoutez, nous allons proclamer d'autres manifestations. Voyez-vous, madame, on était dans l'ordre. On nous a appelés. On va dire trouver une solution, aplanir les divergences. Nous avons fait des concessions énormes lors de ces négociations. Ils ont fait des concessions, ils nous ont concédé la récupération de certains sièges, de certains micros-là. On a rédigé un accord politique signé par le ministre de l'Intérieur, le président du groupe parlementaire. RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée et par moi. Ils se sont retrouvés. S'il te plaît. Ce qu'on a, pu mettre en évidence, la fraude massive et flagrante qu'il y a eu lors des élections locales, qui ont eu lieu le 4 février. Parce qu'ils n'ont pas pu frauder dans les bureaux de vote, ils ont décidé de s'arranger les résultats à la centralisation. Tous les documents existent. Ils ont dit, bon, on vous rend ceci, on vous rend cela, on l'a écrit sur un papier signé. Ils refusent d'appliquer. Il faut pas qu'on continue à nous soumettre à la violation de la Constitution, à la violation des lois et au non-respect des accords. Alpha Condé a décidé d'envoyer une expédition de Conakry pour aller piller la famille de la maison de Mandela. Systématiquement, ils n'ont pas laissé une aiguille. Aujourd'hui, avant-hier, la semaine dernière, on a tiré sur ma voiture. C'est Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes en train de revendiquer nos droits, on ne fléchira pas, on va continuer les manifestations. Ça se passera peut-être comme ça. Mais on ne va pas renoncer parce que tant qu'ils n'appliqueraient pas, au moins les engagements qu'ils ont pris, M. Alpha Condé a pris plus de 4 fois l'engagement de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de crimes connus contre leurs manifestants. Aujourd'hui, nous sommes à 97 ans. Et justement, vous n'avez pas peur qu'il y ait une escalade de violence? Ce n'est pas une escalade parce que nous ne sommes pas violents. Vous voyez, lorsqu'on nous a empêchés de passer, on n'a pas pu passer parce qu'il y a la force. Mais nous n'avons, c'est la police qui est violente. Parce qu'elle sait qu'elle jouit d'une impunité totale en cas de dérapage, en cas de meurtre et d'assassinat ciblé contre les militants de l'opposition. Personne ne va interpeller un policier parce qu'il a tué un militant de l'opposition. Ça, c'est grave dans un pays. 97 citoyens pour lesquels il n'y a jamais compassion du gouvernement. Il n'y a jamais eu enquête
et moins encore, même pas une sanction administrative vis-à-vis des responsables de ce crime. Ça, c'est inacceptable, madame. Nous sommes... C'est inacceptable. On ne peut pas rester tranquille lorsque des crimes comme ça sont commis et lorsqu'une impunité totale est garantie aux criminels. Alors, la question, vous avez été réinvité à la table de négociation, vous n'allez pas y retourner. Pour l'instant, on a suffisamment négocié. Il y a suffisamment d'accords ici des tables de négociation. Ils n'ont qu'à appliquer. S'ils s'appliquent en ce moment, on verra. Mais pour l'instant, on n'a rien à négocier. On a tellement négocié. Il y a seulement des décisions consensuellement prises, hein, actées dans des accords politiques, parfois visés par la communauté internationale comme caution. Mais jamais M. Alpha Condé n'a appliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous donnez la stratégie, la formation aujourd'hui. Elle a marché. Alors la consigne aux militants. Oui, alors la consigne que vous donnez aux militants. C'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de la liberté, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous seriez là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher les citoyens de sortir de chez nous, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu le venir. Est-ce que ça c'est normal? Pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la marche. Parce qu'on sait que si l'opposition sort, toute la population de Conakry va sortir et les rues seront inondées et ce sera un désaveu pour Alpha Condé. Il a dit non, confinons les gens. Et quelle sera la suite? La suite, on va continuer à manifester, à faire des déclarations d'information dans les communes communes. Et la semaine prochaine, le programme vous sera décliné demain. Là, tout de suite, quelles consignes vous donnez à vos militants? De rester mobilisés, de faire ce qu'ils peuvent face à ces forces de l'ordre, aveugles, prêts à tirer sur n'importe qui, mais de résister autant qu'ils peuvent. Merci, Monsieur le Président. Un gouvernement, un État démocratique. Là est la véritable question. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. D'accord ? L'opposition joue son rôle. Dans une démocratie normale, on laisse l'opposition manifester lorsqu'elle n'est pas d'accord. Point barre. Félicitations, mon cher ami. Je suis très content. Vraiment, félicitations, mon cher ami. Thank you.
Merci à l'Ukraine, il est tellement quadrillé. Ah, Alpha Kwanda. Il m'appelle comme ça. Allô? Voilà. Anne? Passé, le chef de file a été victime, son véhicule a été victime de caillassage et il y a eu des impacts sur son véhicule de commandement et il a dit à la presse nationale et internationale qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, ce qui est trop pour une personnalité que nous connaissons dans ce pays qui est le président Sénégal Diallo, qui a son statut actuel de député de la République, ancien Premier ministre. Plus de 10 ans ministre de la République, chef de l'opposition, dont ses soeurs, qui ne sortent pas dans le périmètre de son quartier, disons, voire même de son domicile, puisque le cas du mardi est pendant devant la justice, le procureur de la ville s'est saisi et le problème est en train d'être. Les enquêtes sont en train d'être menées pour que les auteurs soient retrouvés. Pour ne pas qu'on se retrouve devant les mêmes faits. Puisque le chef de file de l'opposition il est très populaire par ses militants, les jeunes vont encore se mettre dans la rue. Moi, je maîtrise mes hommes. J'ai le temps de fouiller, de contrôler mes hommes et des véhicules que je contrôle. Mais la foule qui déverge, qui converge avec le chef de file de l'opposition, donc qui déverge sur la rue, moi, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas qui est qui. Je ne pense même pas si lui-même il connaît tout le monde. Parce que n'importe quel volontaire peut venir s'infiltrer dans le groupe, faire ce qu'il veut. Or, dans les autres pays, qu'une marche soit autorisée ou pas autorisée, les marcheurs doivent avoir une police à l'interne, ce qu'on appelle la police de la marche, qui fait partie du dispositif du parti ou de l'instance ou de l'institution ou de la société civile qui organise la marche. Eux, ceux-ci sont censés de trouver à l'instant T ceux qui commettent des actes pareils qui se sont passés mardi passé. Mais puisque ni la police même, l'interne du parti, n'arrive pas à justifier, et nous, les forces de l'ordre, n'arrivent pas à justifier, maintenant, puisqu'il y a des spécialistes balistiques et en toutes sortes d'enquêtes, donc il serait souhaitable que le président de l'UFDG accepte de rester aujourd'hui avec nous. Parce que certains ont parlé de confinement. Vous avez vu tout à l'heure, il est dehors, dans son quartier, entre les forces de l'ordre. Il dit ce qu'il veut. On le sert, garde-vous. C'est le chef. Il nous donne des instructions. Mais on le prie, on le supplie. On prend même ses pieds pour qu'il reste dans ce cadre. Ne pas s'aventurer. Il n'est même pas en haute banlieue là. Nous sommes face à des badauds qui sont en train de caillasser, qui brigandent des gens, qui cassent des véhicules. Vous voyez, à plus forte raison si lui-même il était là. Donc, est-ce qu'il peut faire une marche maintenant? Il peut sortir avec ses militants? C'est pas possible parce que quand il va sortir, nous on est obligé de charger. Parce qu'on a pour instruction d'interdire toute marche. C'est pas une marche autorisée. Donc, pour éviter qu'on charge et que sa personne soit atteinte, pendant qu'il a informé l'opinion nationale internationale qu'il y a des gens qui veulent porter atteinte à sa vie et que son assassinat est programmé, il est du devoir pour l'État, un devoir régalien de l'État à travers sa service de sécurité, de veiller désormais sur la sécurité du président de l'UFDG, du Premier ministre Sénégal Diallo, pour ne pas que quelque chose arrive. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'État est responsable de tout ce qui va arriver.
C'est pour cela que nous tenons à ce que ce dispositif soit maintenu comme ça. D'abord, c'est sa personne qui nous intéresse, c'est sa famille. Et ses militants, puisque c'est interdit, et ils vont régler comme ils sont en train de régler actuellement avec nous. Alain Nahon, est-ce que cela ne va pas sonner comme une privation de liberté? Surtout d'aller et de venir. Non, moi, je ne sais pas. C'est vous qui savez qualifier les mots. Vous avez vu le président de l'UFDG. On n'a pas mis un cadenas à sa cour. Il est sorti de la cour. Il est venu sur la voie publique, sur le goudron. Il est même venu jusqu'au carrefour de Dixingora, devant les portes de l'autre. Si vous n'étiez pas là, certains ont l'image. Moi-même, j'ai l'image. Il permet que je finisse de répondre. Donc, moi, je n'appelle pas ça privation de liberté d'aller et de venir. Si maintenant, à l'instant T, le président de l'UFDG, en tant que républicain, une haute personnalité de ce pays, décider de sortir, rendre visite à un parent, aller à l'hôpital, aller à un baptême, ou même se rendre à son bureau, à la minière ici, il sort avec ses deux véhicules de sécurité, lui-même. Il nous demande même d'assurer sa sécurité, on met une voiture de police devant, derrière, on peut l'accompagner partout. Mais les mouvements de foule, faire regrouper ses militants, prendre la rue, bloquer la circulation, c'est ce qui n'est pas autorisé, ça va être interdit. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de confiner une maison vide parce qu'il n'était pas là le matin? Peu importe, tout compte fait, il n'était pas là. Tellement lui-même, il est jaloux de sa sécurité, il tient à sa sécurité. S'il n'était pas là, il est venu lui-même se rendre, il est rentré dans sa tanière, et tranquille, il est là, il est sécurisé. Parce que la vérité, bon, on a dit, je vous dis, nous sommes tous fatigués. Le monsieur, il est devant un acte républicain auquel il ne veut pas décevoir ses militants. Mais il sait qu'il est un intellectuel, il sait qu'il a dirigé ce pays, il sait que rien ne peut s'enquérir par la rue. C'est sûr, ils vont s'entendre. Et chaque fois qu'ils sont allés, ils vont s'entendre et c'est ça la solution. Donc vraiment, je le prie de continuer comme ça. Nous sommes prêts à donner nos joues, il n'a qu'à nous gifler. Il peut même nous tendre, mais vraiment, il ne quittera pas là. Donc, c'est ça. Restez. Tendez-moi, laissez-moi répondre un à un. Je réponds à qui? ACG ou bien qui? Vous êtes qui? Remonta. Non, attendez. AGP. Non, mais, oui, d'accord. Laissez-moi répondre, après je vous réponds. Oui, vous dites? Une taxe d'avoir obéi à l'ordre illégaux. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'ordre illégaux. Moi, je suis un agent de la force publique. L'autorité civile, qui sont les maires, le gouverneur, les préfets, le ministre de l'administration du territoire, ont remis des membres de congrès d'être perdus la France. Il n'a pas exécuté un ordre illégal. Mais à lui d'apprécier si le jour que sa marche va être organisée, en mettant un dispositif autour de lui pour sécuriser l'itinéraire, si ce jour il peut avoir le courage que l'ordre est illégal, on verra. Oui, ACG. AGP. AGP. On veut savoir l'arrestation des motards là. Et comment se relève-toi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, mais on voit que. On voit eux, vous faites l'arrestation des motards. Ils sont au bout de la loi, pour la loi publique. Il a été interdit. Ils mettent des sonneries, des klaxons, ils font des bruits. Allez-y voir le code pénal, c'est prévu là-bas. Ça, c'est trouble à l'ordre public. Ce n'est pas à moi de juger. Je vais les donner à qui de droit. S'ils peuvent les libérer, mais moi, je fais ma mission. Merci. Bien, merci à vous. Lui de finesse. Lui de finesse. Je ne comprends pas. 19h, il était sorti. Ici, à 18h, il produit. Maintenant, s'il sort à 19h, ça, c'est autre chose. Je voudrais vous demander, après, depuis quelle heure vous avez mis Allez, avance. Hey, hold on.
Ce gars-là, celui-là. Là. Oh, oh. Essaye d'avoir les manger ce gars-là. Il est trop surchauffé. Voilà. On a juste rappelé le président républicain. Il faut
faut libérer les enfants. On va faire la paix des braves, libérer les enfants que vous avez arrêtés. C'est toi le patron. Excusez-moi, on va aller. Il faut libérer les enfants. Quel enfant? Vous avez arrêté des gens? Non. Vous n'avez pas arrêté? Non. Vous avez arrêté? Non, on n'a pas arrêté personne. Hein? On n'a arrêté personne. C'est ça? Pas moi. Alors. Pas avec moi. Non, mais assumez, avec moi. Vous faites exécuter les ordres qu'on vous a donnés. C'est honteux, mais c'est ça. Général Bafo et Abel. Merci, tranquillement. Comment c'est gars? Belle vie, juste. Devant moi, je t'assure, je ne voyais rien. Eh, t'as quoi, tu te dis? On a un baron de c'est nous, ici, c'est pas chez nous. Hein? Qui est plus guinéen que son frère ici? Hein? Si vous ne réveillez pas un peu votre conscience là. Allez, on va voir du tout.
C'est bon? C'est ça. Écoutez, le résultat espéré, c'est d'abord d'exprimer notre ras-le-bol. C'est pourquoi nous manifestons et nous attirons l'attention de la communauté nationale, la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée. Et écoutez, nous allons programmer d'autres manifestations. Voyez-vous, madame, on était dans la rue. On nous a appelés. On va trouver une solution, aplanir nos divergences. Nous avons fait des concessions énormes lors de ces négociations. Ils nous ont concédé la récupération de certains sièges, de certains pays. On a rédigé un accord politique signé par le ministre de l'Intérieur, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée et par moi-même. Ils se sont retrouvés en dehors, ils ont décidé de ne pas appliquer l'accord. C'est de la foutaise. Ce qu'on a, on a pu mettre en évidence, la fraude massive et flagrante qu'il y a eu lors des élections locales, qui ont eu lieu le 4 février. Parce qu'ils n'ont pas pu frauder dans les bureaux de vote, ils ont décidé de changer les résultats à la centralisation. Tous les documents existent. Ils ont dit, bon, on vous rend ceci, on vous rend cela, on en a écrit sur un papier signé. Ils refusent d'appliquer. Il faut pas qu'on continue à nous soumettre à la violation de la Constitution, à la violation de la loi et au non-respect des accords. Alpha Condé a décidé d'envoyer une expédition de Conakry pour aller piller la famille de la maison de ma belle-mère. Systématiquement, ils n'ont pas laissé une aiguille. Aujourd'hui, avant-hier, la semaine dernière, on a tiré sur ma voiture. C'est Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes en train de revendiquer nos droits, on ne fléchira pas, on va continuer les manifestations, ça se passera peut-être comme ça. Mais on ne va pas renoncer parce que tant qu'ils n'appliqueraient pas, au moins les engagements qu'ils ont pris, M. Alpha Condé a pris plus de 4 fois l'engagement de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de crimes connus contre nos manifestants. Aujourd'hui, nous sommes à 97 000. Mais justement, vous n'avez pas peur qu'il y ait une escalade de violence? Ce n'est pas une escalade parce que nous ne sommes pas violents. Vous voyez, lorsqu'on nous a empêchés de passer, on n'a pas pu passer parce qu'il y a la force. Mais nous n'avons, c'est la police qui est violente. Parce qu'elle sait qu'elle jouit d'une impunité totale en cas de dérapage, en cas de meurtre et d'assassinat ciblé contre les militants de l'opposition. Personne ne va interpeller un policier parce qu'il a tué un militant de l'opposition. Ça, c'est grave dans un pays. 97 citoyens pour lesquels il n'y a jamais eu compassion du gouvernement. Il n'y a jamais eu enquête, et moins encore, même pas une sanction administrative vis-à-vis des responsables de ce crime. Ça, c'est inacceptable, madame. C'est inacceptable. On ne peut pas rester tranquille lorsque des crimes comme ça sont commis et lorsqu'une impunité totale est garantie aux criminels. Dans la question, vous avez été réinvité à la table des négociations, vous n'allez pas y retourner. Pour le Maasai, on a suffisamment négocié. Il y a suffisamment d'accords ici des tables de négociation. Ils n'ont qu'à appliquer. S'ils appliquent, en ce moment, on verra. Mais pour l'instant, on n'a rien à négocier. On a tellement négocié. Il y a seulement des décisions consensuellement prises, hein, actées dans des accords politiques, parfois visés par la communauté internationale comme caution. Mais jamais M. Alpha Condé n'a appliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, votre dernière stratégie n'a pas marché aujourd'hui. Elle a marché. Vous êtes confiné à votre domicile. C'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de la liberté, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous ne seriez pas là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher un citoyen de sortir de chez lui, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu revenir. Est-ce que ça, c'est normal? Pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la marche, parce qu'on sait que si celle nous sort, si l'opposition sort, toute la population de Conakry va sortir et les rues seront inondées et ce sera un désaveu pour Alpha Condé. Il a dit non, confinons les Juifs pour qu'ils nous sortent. Monsieur le Président, ensuite, on va continuer à manifester, à faire des déclarations d'information dans les communes. Et la semaine prochaine, le programme vous sera décliné demain. Là, tout de suite, quelles consignes vous donnez à vos militants? De rester mobilisés, de faire ce qu'ils peuvent face à ces forces de l'ordre, aveugles, prêts à tirer sur n'importe qui, mais de résister autant qu'ils peuvent. Merci. Monsieur le Président.
Ça va. Voilà, je l'ai dit de venir. Maka. J'étais à côté. Toi, tu viens carrément, tu t'arrêtes devant les gens. Voilà, on va dire les choses. On va dire les choses.
étranger. D'accord. Bon, tu peux venir sur la route Le Prince qui vient. On se voit quand? Tu sais que j'ai mis la radio en ligne. Ah bon? Oui, d'accord. Yeah.
Il est fait.